Ciao tutti, c'est un bonheur de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ici, au nord de l'Italie, se trouve une pépite, une des plus belles villes au monde, une ville de passion. Vous aurez très certainement reconnu Venise. Alors, les Vénitiens se réapproprient leur ville car les touristes se font un peu rares en raison de la crise sanitaire. Mais Venise n'est pas triste, elle vit juste à un autre rythme. Nous allons partir à la découverte des incontournables de la cité des doges, mais aussi de ses trésors cachés. La Sérénissime a le pouvoir de créer l'émerveillement et vous allez voir que ces échappées belles ne devraient pas vous laisser indifférent. Allez, c'est parti, andiamo, et on sort masqué. Hein. Venise, la ville éternelle. La vie à Venise, c'est comme dans une ville normale, sauf que tout se passe sur l'eau. Mais depuis peu, quelque chose a changé. C'est merveilleux de déambuler dans les quartiers. Avant, il y avait toujours le bruit des roulades des valises, des touristes. Les Vénitiens redécouvrent leur ville. En cette période, voir l'eau calme, toute plate, c'est magnifique. On voit au loin tous les reliefs des maisons et des bateaux sur l'eau. Sans les touristes. D'habitude, votre galerie, votre magasin est plein à craquer. Comment va votre morale ? Sophie Jevillard visite une Venise inédite. C'est le plus vieux four de mosaïque au monde et le dernier en activité à Venise. Pour vraiment savoir ce qu'est la sensation de se promener avec de tels vêtements, je te propose d'en essayer une. Ah bon ? Moi ? Et voilà Sophie, c'est l'endroit parfait. Quand une des plus belles villes du monde... De l'espoir, il y en a toujours. Il est dans notre ville, car Venise est unique au monde. Rome est très belle, Paris aussi, mais la seule ville lacustre, c'est Venise. Doit s'imaginer un avenir différent. Ça serait bien maintenant si la ville arrive à se réinventer un tourisme durable. Une Venise retrouvée. Oui, il faut que tu goûtes les pâtes. Si. Ouais, il manque encore 30 secondes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bienvenue à Venise. Merci. Je trouve ça absolument irréel d'être ici sur cette place Saint-Marc, vide. C'est assez surréaliste. J'ai l'impression d'être dans un décor de film. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est peut-être du jamais vu, non? Tu as déjà vécu ça, toi, à Venise? Non, c'est étrange. Ça me rend un peu triste. Parce que Venise, au-delà des touristes, c'est une ville très très vivante, pleine de gens. Et la voir ainsi vidée, c'est à la fois fascinant. Les premiers jours, on avait cette impression d'avoir la ville pour nous. Mais ensuite, rapidement, la vie a commencé à me manquer. Bon, on va garder le sourire. Moi, je suis très heureuse d'être avec toi parce que toi, tu es une vraie Vénitienne. Oui, je suis née à Venise. Je vis ici. Mes parents sont tous les deux Vénitiens. Au-delà de la beauté que tout le monde peut voir, la grande richesse de Venise, pour moi, c'est la qualité de vie. Alors, c'est une des villes les plus magiques au monde. Oui, absolument. Ce que je suggère souvent, c'est de choisir une zone de Venise et d'aller se perdre dans ces petites rues, parce que c'est vraiment la meilleure façon de découvrir Venise. C'è la luna e le stelle, c'è la notte e i fiori, andiamo in giro insieme, ma che peccato che questo finisce qui. Alors là, on passe sous la célèbre tour de l'horloge. C'est vraiment incroyable. Ici, d'habitude, c'est envahi par la foule. On peut à peine passer. Je
je vois que tous les chemins mènent à la place Saint-Marc et au Rialto. Hein. C'est toujours tout droit. Oui, les marchands en ont eu assez d'être sans arrêt dérangés par des gens. Où est le Rialto? Où est Saint-Marc? C'est ça. Oh là là, regarde comme c'est beau! Oh, c'est magnifique, avec cette lumière là. C'est stupendo. Ah ouais, vraiment, vraiment. Toute la ville s'organise autour de ces canaux, de ces ponts. Venise est constituée d'une multitude de toutes petites îles. Et il a fallu les relier avec ces ponts. J'entends un bateau arriver, ici c'est le permis bateau qu'il faut avoir. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Certains ont leur propre bateau. Mais en réalité, le bateau n'est pas utilisé comme une voiture, parce qu'il n'y a pas assez de place d'amarrage en temps normal. Quand on est dans ces petites ruelles-là, on réalise à quel point Venise est une ville fragile, avec entre autres la montée des eaux. On voit quelques traces d'ailleurs sur les maisons ici. Ah, si, si, allora. Oui, tous les Vénitiens doivent apprendre à vivre avec la montée brusque des eaux. 3 heures avant, on entend les sirènes, les mêmes qui sonnaient durant la guerre. Donc ça peut effrayer ceux qui ne sont pas habitués. Mais ça laisse le temps aux Vénitiens de s'organiser en fonction de l'endroit où on vit, d'où l'on travaille. Selon les quartiers, l'eau peut arriver jusqu'à cette hauteur. Ah oui? Donc on a aussi des bottes hautes, jusque là, et même jusqu'ici parfois. Alors derrière la carte postale, est-ce qu'on peut dire que Venise est aussi une ville fragilisée? Oui, Venise est fragile car elle est en permanence érodée par l'eau. Et la ville a été construite sur un type de terrain sur lequel d'habitude on ne construit pas. Oui, des marécages. Hein. Ouais. C'est un vrai miracle d'avoir réussi à établir une ville aussi fabuleuse sur un sol boueux. Grazie. Oh, ok, ici. Si. Oui. Et l'autre à l'intérieur. C'est drôle, Cipréa. J'ai l'impression qu'on est déjà passé dans ce quartier à pied, mais depuis la gondole, du coup, on le voit sous un autre angle. Oui, c'est très différent. Je connais très bien ce quartier, mais depuis l'eau, je le reconnais à peine. Mais Simone, avant que ce soit un moyen de locomotion pour les touristes, traditionnellement, on utilisait la gondole ici pour le transport? Oui, la gondole date du XIIe siècle. C'était la principale embarcation pour transporter des personnes. Toutes les familles nobles qui habitaient dans ces palais avaient des gondoles. Regarde ces portes sur le canal. C'était les entrées principales des palais. Tout a été conçu en fonction des gondoles, comme ce pont. Tu comprends ce que Cipréa me disait? Elle a l'impression de redécouvrir un petit peu sa ville en étant ici au fil de l'eau. Oui, la gondole attire les touristes, car c'est une attraction qui n'existe qu'à Venise. Mais l'intérêt principal, selon moi, c'est la découverte de cette ville sous une nouvelle perspective. Et ça permet de révéler les parties les plus secrètes de la ville, comme on le voit ici. Thank you.
Hier encore, Venise, c'était ça. Des visages et une marée humaine. Aujourd'hui, les 30 millions de touristes annuels qu'accueille Venise sont presque tous absents. Pour les Vénitiens, reste la beauté et l'émerveillement. La place Saint-Marc, le Grand Canal, le pont du Rialto, désert. Venise comme personne ne l'a jamais vue, ou presque. Ces images, filmées pendant le confinement du printemps 2020, ont été tournées par Tommaso. Né à Venise, il a eu l'immense privilège d'observer la ville, comme jamais, avec son drone. Décoller de la place Saint-Marc, complètement déserte, sans âme qui vive, à 5 heures du matin, midi ou minuit, elle était toujours vide. C'était une sensation incroyable, comme être hors du temps. L'image qui m'a le plus impressionné, c'est une place qui m'a ému. Parce que ma mère y travaillait dans un atelier de mécanique de bateau. Quand j'étais petit, je passais par là en revenant de l'école. C'était toujours plein d'enfants. Et là, le vide. Ça m'a vraiment touché. Si Tommaso a pu survoler la ville, sa mère, elle, a observé Venise depuis ses fenêtres. Elle est née dans cet immeuble. Pendant le confinement, j'étais seule à la maison et j'ai entendu un bruit. C'était un bateau, le moteur d'un bateau. Et je ne le reconnaissais même plus. Maintenant, n'importe quand je me penche pour regarder le canal, il y a de grands poissons. Ils sont là, tranquilles, en paix. Avant, avec le trafic des bateaux, les poissons ne venaient plus jusqu'ici. Avec le ralentissement du trafic international, Vénitiens et Italiens redécouvrent les splendeurs de Venise. Ces terrasses, elles étaient utilisées par les dames pour devenir blondes. Elles se mettaient avec un grand chapeau ouvert sur le crâne. Elles préparaient des mixtures en utilisant l'urine des animaux. Degli animali. C'est comme ça qu'est né le blond vénitien. Biondo veneziano. Katharina est guide à Venise. Depuis 4 générations, sa famille est vénitienne. Alors là, nous entrons dans le quartier du Dorso Duro. Jusqu'à présent, elle travaillait plutôt en anglais avec les touristes du monde entier. Aujourd'hui, on voit revenir des amoureux de Venise. Des personnes qui ne venaient plus à cause du tourisme de masse. Avec les gens de la région et les Vénitiens, ça nous permet d'utiliser la langue vénitienne. C'est une véritable langue. Comme cela, Venise nous donne envie de l'aimer encore plus. C'est merveilleux de déambuler dans les quartiers. Avant, il y avait toujours le bruit des roulades des valises. On adore les touristes, car on ne va pas se mentir, ils assurent l'économie de la ville. Mais dans le silence, entendre ses propres pas, c'est incroyable. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, toutes ces rues, ces canaux, ces places et ces ponts étaient engorgés, submergés. Impossible de mettre un pied devant l'autre. L'espace, ce n'est pas pour déplaire à Niccolo.
ce Vénitien a retrouvé le plaisir des grandes foulées dans sa ville natale. Cette période est bellissime, même avec ce temps. Notre brouillard automnal, notre nebbia, c'est encore mieux. On est face à soi-même et c'est tout. Cette ville amplifie nos émotions. Je me sens en paix. Les Vénitiens se retrouvent entre eux. Il faut dire qu'ils ne sont plus très nombreux. Quand Niccolo est né, ils étaient 100 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus que la moitié. Un peu noyé parmi les vacanciers ces dernières années. Niccolo et son association d'habitants se rassemblent tous les vendredis soirs. Ils sont fidèles au spritz, l'apéritif vénitien par excellence. On essaie de créer un lien social. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu au fil des années avec la foule de touristes. En cette période, c'est encore plus important car l'union fait la force. L'espoir est de pouvoir se réapproprier la ville. Par exemple, ne plus seulement vivre du tourisme. Venise veut s'écrire un autre destin pour que la ville reste éternelle. Alors je t'emmène dans un endroit spécial pour y trouver une chambre en plein centre de la ville. Ce sont des bonnes sœurs qui proposent des chambres pour dormir. Bah, très bien, j'espère qu'il y aura une chambre pour moi. Bonne idée. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Nous voudrions savoir s'il vous reste une chambre pour mon amie Sophie. Oui, oui. J'ai une chambre pour une personne avec lit simple, avec une salle de bain et une vue sur Venise. Très bien, je vous suis. Merci, ma sœur. Merci de m'accueillir. Où sommes-nous ici exactement, ma sœur ? Nous sommes dans un palais vénitien du XVIIe siècle environ. Et depuis près de 80 ans, c'est à notre communauté religieuse. Cette partie du palais est destinée aux enfants que nous accueillons. C'est une école. Et l'autre côté est réservé à l'accueil des touristes. Bon, parfait. Merci pour votre accueil. Merci. Bonne installation. Je vais bien dormir, moi, ici, tu sais. Maintenant, on va aller rejoindre mon quartier. J'adore, que c'est joli, avec le linge qui pend entre les deux rues. Ici, on est dans un quartier populaire, alors on fait sécher le linge dehors. C'est un système très ingénieux, hein, pour faire sécher le linge. Là, on le pend d'une fenêtre à l'autre et on tire, c'est ça? Oui, chacun a son propre fil qui traverse toute la rue. Madame, vous avez fait tomber quelque chose, madame. Votre mouchoir et une culotte, si je puis me permettre. On vous met ça sur la porte. Thank you.
Je te propose qu'on aille chez moi. Oui. Tu vas découvrir mon monde. Très bien, j'ai hâte de découvrir ton monde. Tout ça est très mystérieux. Prego, prego. Merci. Viens voir ici, j'ai une surprise pour toi. Oh, mais dis donc, ils sont magnifiques ces costumes. Ce sont des costumes qu'on utilise pour la danse. Pour la danse? Raconte-moi ça. Oui, oui. Je fais partie d'un groupe de danse, mais de danse historique. Mais c'est joli comme tout, mais c'est toi qui les as faits? Si. Oui, oui. Je vais d'abord à la bibliothèque, ensuite je fais des patrons d'après les livres. Je les teste sur une poupée Barbie en premier. Et qui étaient les femmes qui portaient ce genre de robe? C'était des vêtements réservés à la noblesse. Ah ouais. Mais pour vraiment savoir ce qu'est la sensation de se promener avec de tels vêtements, je te propose d'en essayer une. Ah bon? Moi? Oh là, je sais pas si ça me va. Moi. Choisis celle que tu préfères. Oh, bah les deux sont très très belles. Bon, écoute, le vert, ça doit aller très bien avec tes yeux. Je vais prendre celle-ci. Va bien. Sophie, on va s'habiller en un claquement de doigts. Et voilà. C'est magnifique. Et comment tu fais pour te déplacer, toi, pour passer là, les portes? Alors, c'est une corbeille spéciale qui se replie. Ah, oui. C'est adapté aux rues étroites de Venise. Ça se plie et ça s'ouvre. Très ingénieux. Et toi, tu es une dame de la Renaissance parfaite. Très bien, merci. Je sais pas comment faut faire, mais... Il ne manque plus qu'une seule chose, la perruque. Ah oui. Si on m'avait dit que je viendrais à Venise pour me retrouver en robe baroque, les cheveux rouges, en perruque, dès le début de mon voyage, je n'aurais pas cru. Et là, je me transforme en qui, en fait? Alors, tu pourrais être Veronica Franco, une très célèbre courtisane du XVIe siècle. D'accord, et elle faisait quoi, Veronica? C'était une poétesse très courageuse. Ça me va très, très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, finalement, dans tout ça? En fait, c'est comme un jeu. Je me sens transportée dans une autre époque. C'est une sensation incroyable. D'autant plus que Venise est une ville hors du temps, avec tous ses palaces antiques. T'as le décor parfait, en fait, pour porter ce genre de costume. Absolument. Oui, tout à fait. C'est comme une immense scène de théâtre. Bah, tu vois, finalement, moi, je me prends bien au jeu. Hein. Bon, les gens se demandent quand même ce qu'on fait dans ces tenues, quand même. C'est quand même un incroyable voyage dans le temps que tu me fais faire. Hein. Entre le 16e et mon personnage, le 18e et le tien, en plein 21e siècle. Oui, c'est un vrai voyage dans le temps. On traverse les siècles. Ecco, Sophie. Et voilà, Sophie. C'est l'endroit parfait. Nous y sommes. La place est à nous. Tu avais raison, c'est magique. Godiamocela. J'ai demandé à mon ami David de venir avec son appareil pour faire une séance photo. Ah, très bien. Buonasera, Davide. Bonjour. Ciao. Je suis Sophie. En fait, je ne suis pas Sophie, je suis Veronica, une poétesse. Bonjour. Bonjour. Moi aussi. Cipriane, m'avoir permis de vivre ce moment quand même assez unique. Merci, grazie mille, Cipriane. De rien. Je suis heureuse de pouvoir te faire vivre ma passion. C'est une très très belle passion. Grazie. Merci.
En attendant le retour des touristes, Venise pourrait en profiter pour noyer sa médiocre renommée culinaire. La capitale de la pizza surgelée retrouve le goût de la cuisine vénitienne. Voilà les jeunes, ce matin j'ai trouvé des calamars, c'est de saison. Bon appétit. Chiara est chef à Venise. En 2019, elle a été élue meilleure femme chef d'Italie. Son péché mignon est le tramezzino, ce sandwich moelleux. Le tramezzino, c'est deux tranches de pain qui contiennent un vrai plat. C'est véritablement un truc que les Vénitiens adorent, et nous, on adore. On le mange à l'apéro, mais plutôt avant le déjeuner. Mais bon, s'ils sont bons, on les mange les uns après les autres, et ça devient un repas. Le plaisir de la table est depuis longtemps une affaire sérieuse à Venise. Depuis le 15e siècle et la Renaissance, l'épicurisme y est célébré. Avec son compagnon, Chiara a un restaurant sur l'île de Mazzorbo, dans la lagune de Venise. Quelle lumière, vraiment! Beaucoup de plats de la cuisine vénitienne sont des plats qui viennent du voyage. Car Venise, pendant des siècles, a été une ville carrefour du commerce. Il y avait tous ces bateaux qui partaient en Orient et qui ramenaient les produits orientaux. Notre cuisine est faite de la rencontre entre les peuples. Salut, bon travail. La lagune nourrit Venise. Le restaurant de Chiara est entouré de vignes et de potagers, partagés principalement par les retraités de l'île. Je l'ai semé, planté, soigné et développé moi-même. Le résultat, c'est mon potager coloré, automnal et vivant. Je l'aime beaucoup. J'en suis très fière. Ce que j'aime beaucoup, c'est que nos légumes sont cultivés dans une terre salée. La mer et le terrain salé donnent un goût tout particulier à nos légumes. La terre et la mer s'unissent donc dans la cuisine vénitienne. Aujourd'hui, Chiara revisite les sardé in saor, les sardines marinées. Une des recettes les plus emblématiques de la tradition vénitienne. On commence par prendre l'oignon rouge. C'est pour faire notre saor. On va les cuisiner doucement. Puis ajouter du sucre et du vinaigre de framboise pour obtenir des oignons aigres doux. Ce plat raconte l'histoire des marins de Venise. Originellement, le poisson était frit et entièrement recouvert d'oignons et de vinaigre. Grâce à l'acidité, quand les marins partaient, ils pouvaient le conserver pendant longtemps. Aujourd'hui, la cuisine vénitienne est d'abord une cuisine de marché. Sans véhicule, les Vénitiens font leurs courses au jour le jour, n'achetant que ce qu'ils peuvent porter à pied et dans leurs bras. Bonjour. Nous avons besoin de haricots secs et de deux oignons aussi. Gioia est psychologue. Elle donne aussi des cours de cuisine. Comme aujourd'hui, à ses deux vacanciers écossais. Merci beaucoup. Bonne journée. Ce matin, avec ses élèves, elle s'approvisionne au marché du Rialto, fondé au XIe siècle. Ici, c'est mon vendeur préféré. Parce qu'on a de l'eau peu profonde dans la mer Adriatique, on a toujours des poissons petits. Une belle poignée, s'il vous plaît. La richesse de notre cuisine, selon moi, vient de l'abondance de poissons et du fait que pour cuisiner, on utilise un ou deux ingrédients, rien de plus, dans la simplicité. Vous avez appris à cuisiner avec votre famille ? Oui, toutes les recettes que j'ai apprises, je les ai apprises de ma mère et de ma grand-mère. Gioia habite dans le quartier du Dorso Duro.
celui où elle a grandi avec sa famille. On y est. Elle donne ses cours de cuisine chez elle. À vous de travailler maintenant. Ok, vous avez fait du bon boulot. La cuisine vénitienne est incroyablement pauvre. On a des ingrédients de base. On imagine toujours Venise comme une ville riche. Maintenant, elle est riche, mais dans le passé, les gens étaient incroyablement pauvres. Les pâtes aux haricots, c'est des haricots, une pomme de terre, un oignon et une carotte. Qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre que ça? Attention à ce que le riz n'attache pas. Ça sent vraiment la cuisine des familles. Ça va? C'est OK comme ça? Vous faites du super boulot. Merci. Vous avez un futur dans la cuisine. Salute, Olivio. À la vôtre. Et pour ne pas froisser son hôte, mieux vaut ne pas confondre gastronomie vénitienne et italienne. Bonjour Sophie, viens, viens. Bonjour. Bonjour. J'avais peur que tu te perdes, car derrière cette porte se cache un joyau vénitien, gardien des secrets de fabrication de la mosaïque. Un petit trésor se cache derrière, j'ai l'impression. C'est le plus vieux four de mosaïque au monde et le dernier en activité à Venise. C'est en 1888 qu'Angelo Orsoni a fondé ce four de couleur et commencé à faire des mosaïques. Et ce savoir-faire, il a rayonné dans le monde entier ? Orsoni a su développer sa technique artisanale pour exporter dans le monde entier. Et ici, nous poursuivons son œuvre. Nos techniques nous ont permis d'avoir des clients prestigieux, la Sagrada Familia, la Basilique Saint-Marc. Et voilà, Sophie. Cet endroit, selon moi, est le plus magique de Venise. Nous sommes dans la bibliothèque des couleurs. Oh, c'est joli, ça. Mais vous avez combien de références ici? Ici, nous avons plus de 3500 couleurs exposées. Voici la bibliothèque des couleurs de Carnation. Ici, nous avons plus de 120 couleurs de peau qui servait à l'époque historique des mosaïques à réaliser les portraits. Pour faire les portraits de saints, de vierges, il fallait que ce soit le plus réaliste possible, que la peau semble vivante. Je vois qu'il y a plein de nuances différentes. Ce sont toutes les couleurs de peau existant dans le monde. Alors si on cherche la couleur de ta peau... Non, il faut aller vers une couleur un peu plus claire. Ah, t'as l'œil ! Là, on se rapproche. Il faut regarder sur la tranche. Je crois que c'est ça. Comment tu es arrivé, toi, dans cette incroyable histoire familiale de cet atelier de mosaïque? Je suis arrivé ici d'abord parce que je suis tombé amoureux de Venise. Et quand je suis entré dans cette bibliothèque de couleurs, je suis tombé amoureux une seconde fois. Regarde là, c'est un peu trop dans les marrons par rapport à notre grille de référence. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, ici? On fait une recherche de couleurs. On vérifie si la couleur correspond à notre échantillon de référence. Alors, pour ajuster cette couleur, il faut ajouter un oxyde qui colore en gris.
Le travail de mosaïque est une tradition qui se transmet d'une personne à une autre. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et il faut des années pour apprendre ce métier. Je suis en train de me préparer à prendre ma retraite. Alors je transmets mon savoir à quelqu'un d'autre qui pourra poursuivre cette tradition. Et les gestes, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé, en fait. Les gestes sont restés les mêmes au fil des siècles. Bonjour, non. Bonjour, mon père. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Saint-Lazare. Alors ici, sur l'île Saint-Lazare, on retrouve le monastère, dit le monastère des Arméniens, parce que c'est bien une communauté arménienne qui est installée ici. Et je crois que le point de départ de tout ça, c'est l'histoire du fondateur, hein, du fondateur Mekhitar. Même l'ordre vient, le nom Mekhitariste de Mekhitar, un moine arménien de Sébaste. Mm-hmm. Il a fondé l'ordre à Constantinople, l'actuel Istanbul, avec ses moines, 8 septembre 1700, pour l'illumination spirituelle et culturelle du peuple arménien. Et quelle était la vocation de cette île avant que la congrégation s'installe ici? De 12e jusqu'au 15e siècle, même ici était une léproserie pour les lépreux. Quand Mekhitar est arrivé, il a transformé cette léproserie d'une fois un centre culturel et surtout spirituel pour le monde arménien. Et leur travail important, c'était la traduction des trésors de la littérature occidentale en arménien. Ils sont devenus un pont entre les Arméniens et les Occidentaux. Alors voilà un lieu empreint de sérénité, propice au recueillement, hein, mon père, forcément. C'est pour la prière et pour l'étude. C'est merveilleux. Voilà, Sophie, nous sommes dans le lieu plus important du monastère, la bibliothèque des manuscrits. Magnifique bibliothèque. Nous trouvons un trésor d'une nation entière. On a plus de 4500 manuscrits. C'est le troisième dans le monde comme quantité, mais la première comme variation de sujet. Les pères les ont sélectionnés pour les études et les recherches. Bah, je vois d'ailleurs qu'un des pères de la communauté travaille là. Qui est en train de faire ses recherches. C'est la mémoire du peuple arménien qui est conservée ici, mais pas seulement. Pas seulement, Sophie, parce que c'est un lieu interculturel, c'est-à-dire on a même des manuscrits en langue arabe, en grec, en syriaque et autres langues, parce que tout ce qui concerne l'homme et la culture en général. Et vos prières vont au peuple arménien qui en a bien besoin, mais du coup pas seulement pour eux. Oui, pour la paix du monde entier. Et pour les hommes dans le monde, afin qu'ils s'occupent de la culture et de l'humanité en général. Merci pour ce moment de partage, en tout cas, mon père. Vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir reçu. Tout au long de son histoire, Venise a traversé des périodes sombres. Mais toujours, elle a pu compter sur ces Madeleines de Proust qui rassurent et donnent du courage. Comme l'odeur des grains de café fraîchement moulus. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 2 kilos de café, s'il vous plaît. Le café est arrivé à Venise et donc en Europe au XVIe siècle.
Roberta et sa famille l'autorisent depuis 4 générations. En 1573, une délégation vénitienne est allée à Istanbul. Là-bas, elle s'est rendue compte que le café avait beaucoup d'amateurs. La consommation était encouragée par les gouvernants pour éviter que les Turcs s'enivrent. À ce moment-là, les ambassadeurs de Venise ont compris que ce nouveau produit pouvait devenir une source de revenus importante pour la Sérénissime, qui allait pouvoir l'introduire sur le marché européen. Et voilà. Merci, au revoir. Avec le café, l'huile, les épices, le sel, le sucre, le monde arabe a enrichi Venise. Aujourd'hui, Roberta livre ses clients à pied. À l'origine, le café se vendait en pharmacie. Le breuvage était consommé comme un médicament. Le café a tout de suite eu beaucoup de succès. Du pêcheur au gondolier, au porteur ou au noble. Alors, les vendeurs ambulants se sont mis à en vendre. Le succès a été tel que la République de Venise a dû réglementer la vente, en faisant en sorte que chaque vendeur soit séparé de 100 mètres. Bonjour. Voici la commande. Tu pourrais me faire un café, s'il te plaît ? Le café, moins cher que le chocolat des nobles, agitait les foules. Dès la fin du XVIIe siècle, les Vénitiens ne lisaient pas l'avenir dans le marc de café comme en Turquie, mais ils débattaient et changeaient des idées dans les cafés publics de la cité. Bonjour Alessandro. Bonjour. Un café sans sucre, s'il vous plaît. Un café, ça marche. Alessandro est journaliste spécialiste de Venise et de sa gastronomie. Les cafés comme lieu où l'on boit cette nouvelle boisson sont nés à Venise. Ils étaient très fréquentés par ce qu'on appellerait aujourd'hui la bourgeoisie éclairée. Le café favorisait le dynamisme intellectuel de la nouvelle classe bourgeoise qui voulait se faire remarquer. Ah, perfetto, parfait, merci. Le café est devenu le terrain de jeu des intellectuels. La rédaction de la Gazette de la ville de Venise était même installée dans un café. Au départ, le café était considéré comme une boisson diabolique. Comme il excite les sens, on pensait qu'il incitait à la luxure. Ainsi, il a été demandé au pape si sa consommation était légale. Le pape en a bu, il a aimé, il a dit « oui, oui, c'est légal ». Au XVIIIe siècle, à l'apogée des cafés vénitiens, il y en avait une trentaine autour de la place Saint-Marc. Bonjour. Un tiramisu, s'il vous plaît. Un tiramisu avec ses biscuits gourmands imbibés de café. La recette originelle serait vénitienne. On parle d'un tiramisu à la période de Casanova. Casanova était un aventurier vénitien du début du XVIIIe siècle, qui parlait beaucoup de ses conquêtes amoureuses. Le tiramisu est très revigorant. Casanova en mangeait avant et après ses aventures amoureuses. Le mot tiramisu veut dire se lever, porte-moi vers le haut. C'est un peu malicieux dans la légende de Casanova. Et la recette préférée du pâtissier est celle qu'il fait en famille, celle qu'il a apprise avec sa grand-mère. Il n'y en a pas trop ? Non. 500 g de crème fouettée, 500 g de mascarpone. C'est trop crémeux, tu crois ? Pour moi, c'est bon. Vas-y, tu peux verser.
Le café m'a toujours attiré, car c'est la boisson des adultes. Quand tu le bois, tu te sens plus grand. La première fois que j'en ai bu, c'était en CE1, je crois. Je me suis fait une tasse de café un jour où mes parents étaient partis. Au début, je n'ai pas aimé. Bon appétit, bravo les pâtissiers. La gourmandise vénitienne a donc le goût réconfortant du café. Ciao Sebastiano. Bonjour. Allez, en route pour Santa Cristina, s'il te plaît. Se réveille, les Vénitiens vont travailler. Oui, le Grand Canal, c'est la voie principale de Venise. Alors ici, quand on utilise les transports en commun, c'est sur l'eau que ça se passe, hein. Sinon, bah, c'est à pied. Oui, la vie à Venise, c'est comme dans une ville normale, sauf que tout se passe sur l'eau. Les transports, la livraison des journaux, du lait. Mais tu sais que j'ai jamais été aussi heureuse de prendre un taxi, parce que là, il est magnifique, ton taxi. Oui, mon taxi est particulièrement beau. Je ne vois pas ton beau sourire, mais je vois dans tes yeux que tu es heureux de faire ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la Dolce Vita. En fait, on fait juste une course en taxi, quoi. Oui, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là, ici ? L'île de Saint-Michel, le cimetière de Venise. Difficile de découvrir la centaine d'îles de la lagune, hein, autour de Venise, mais j'ai rendez-vous à Santa Cristina, qui est une île qui n'est absolument pas dans les guides touristiques. Oui, l'île de Santa Cristina est une île très isolée, perdue dans la lagune. Je ne suis même pas sûr de la trouver. J'espère, oui, je compte sur toi. Salut toi! Alison! Ciao Sophie! Ciao. Bonjour! Bienvenue! Ben merci, merci beaucoup. T'as fait une bonne route ? Oui, j'ai fait bonne route, surtout qu'en plus, c'est extraordinaire d'arriver ici. Oui. Parce que Venise, c'est aussi ça, ces îles presque sauvages. Oui, c'est surtout ça. Ici, on est au cœur de toute la lagune, donc où les premiers Vénitiens sont venus de la terre ferme. Et ici, ils ont construit toute une communauté. Mmh. Et c'était le cœur commerçant et aussi religieux ici. Mmh. Alors, certaines îles sont privées, comme oui. ici. Oui. Là, grâce à toi, j'ai le privilège de pouvoir visiter cette île de Santa Cristina, qui n'est pas comme les autres. Non, elle n'est pas du tout comme des autres. De, ça, c'était un couvent île. Avant. Ah bon? C'était ici, il y a ouais. bien longtemps. Oui. Et donc, c'est maintenant une maison privée. Oui. Regarde, Sophie, ici. C'est ça que je voulais te faire voir. Ah oui, quelle vue. On comprend mieux oui. l'île, hein, d'ailleurs, quand on prend un peu de hauteur. Donc là, quand la famille l'a acheté, donc c'était M. Gernot Swarovski, la première chose qu'il a fait était de protéger l'île contre l'érosion. Alors, il a fait de faire venir plein de pierres qu'il a installées tout autour de l'île. Et il a planté ses tamarici, donc toutes ces petits arbres. Aussi, il a planté ses oliviers. Ça, il a aménagé toute l'île, maintenant que c'est une île qui est ouverte, d'accord. pour louer, pour pouvoir venir
profiter de toute une île pour soi. Et dis-moi un truc fou, hein, si j'avais beaucoup d'argent et si j'avais envie de passer une nuit ici, ça me coûterait combien? Alors, ça serait dommage de venir toute seule, parce que de toute façon, l'île se loue entière. Le départ, c'est 4 000 euros pour une nuit, mais minimum 5 nuits. Ah oui, d'accord. Oui, il faut vraiment que je réfléchisse. Hein, alors. Ici, c'est une petite île de nidification, donc beaucoup d'îles sont de nidification. Et au printemps, il y a des oiseaux qui viennent faire leur nid là. D'accord. Oui. Ça me fait plaisir de voir ton visage, Alison. Finalement. Rayonnant. Je ne devrais même pas l'enlever, mais... Mais bon, allez, je garde le mien, mais... J'ai du mal à imaginer quand les grands bateaux de croisière arrivent ici dans la lagune. J'ai l'impression que ça ne fait pas vraiment l'unanimité. Hein. Ça fait des problèmes pour la population locale. Ils ne peuvent plus vraiment vivre là. C'est insupportable en été quand il y a 3-4 navires qui déchargent leurs personnes. C'est une chose qui ruine le fond de la lagune. Ça ruine l'écologie de la lagune. Aujourd'hui, avec ces nouvelles règles sanitaires, j'ai découvert Venise sans ses touristes. Comment tu réagis, toi, face à ça? C'est triste pour la ville de Venise, parce que la ville de Venise s'est appuyée sur le tourisme comme ça en masse depuis très longtemps, malheureusement. Et je suis triste pour les personnes qui ont perdu leur travail. De l'autre côté, ça serait bien maintenant si la ville arrive à se réinventer et de mettre vraiment l'attention sur un tourisme durable, sans ruiner toute la nature. Ici, tu vois, c'est le pont qui fait la liaison entre Mazzorbo et Burano. Et Burano et ces magnifiques maisons colorées. L'île colorée des pêcheurs. Buongiorno, ciao, ciao. Ciao. Ciao, cara. Bonjour. Bah, tiens, on va aller voir ton ami. Comment stai? Ça va, je fais la poussière. Malheureusement, si j'ose dire, vous avez le temps de faire la poussière, quoi. C'est ça, Gaudette? Eh oui. D'habitude, votre galerie, votre magasin est plein à craquer. Oui. Comment va votre morale? Aussi comme ça. Ouais. Normalement, je suis beaucoup positive. Ouais. Je sais qu'il va passer. J'espère vite. Ouais. Bon, bah écoutez, je vois que vous restez ouvert, vous avez gardé le sourire. Faites voir. Ah oui, il est bien. Il est très beau, votre sourire. Ne changez rien. Très bonne journée. Et bon courage. Bon courage. Ciao. 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 Tu m'offres un petit verre. Je t'offre un verre. C'est gentil. Voilà, un verre de la lagune. C'est le Venusa Rosso. Mm-hmm. C'est du Merlot et Cabernet Sauvignon. Bon, je me permets de juste quitter le masque. Le temps à bonne distance. La distance et... et on trinque. Chin chin. À ton accueil. Merci beaucoup. Merci d'être venue, Sophie. Venise s'est construite sur l'eau et avec ses barques traditionnelles. Alors, quoi de plus naturel que de sortir les rames pour mieux la découvrir? Vas-y, Mirko, plus à gauche.
Depuis un mois, Mirko prend des cours de rame vénitienne. On a l'impression que c'est difficile et physique. Mais si tu sais bien ramer, c'est facile. Moi, je n'y arrive pas encore, il faut que je continue de bosser. Doucement, pas trop. C'est pas grave. À gauche. Doucement, tranquille. Vraiment, il n'y a aucun problème. Cherche la régularité. Continue tranquillement. C'est mieux. Encore plus bas. Comme Mirko, depuis le confinement du printemps 2020, les Vénitiens sont nombreux à se laisser séduire par la douceur de la barque de loisirs. C'est la meilleure manière de vivre la ville à son rythme lent. Le plus grand désastre de cette lagune depuis un siècle, c'est les bateaux à moteur. Ils ne sont pas adaptés à cette ville si délicate. Ces fondations en bois subissent beaucoup de dommages à cause des courants qu'ils créent et qui en plus abîment l'écosystème. En cette période, voir l'eau calme, toute plate, c'est magnifique. On voit au loin tous les reliefs des maisons et des bateaux sur l'eau. Pour ramener plus de sérénité dans la Sérénissime, avec des copains et voisins du quartier, Emiliano, le prof de rame vénitienne, s'est mis en tête de sauver les barques traditionnelles. Les restaurer pour qu'elles retrouvent les canots, pas seulement pour le sport, mais comme moyen de transport. Et certains ont déjà amorcé le mouvement. En fin de journée, deux fois par semaine, Federico, un agriculteur de la province, charge son embarcation pour livrer ses clients vénitiens à la rame. On peut y aller. Oui, oui. Quand je dis « oi », j'indique que je suis présent aux autres embarcations. Ou bien « oi premando » quand je les préviens que je vais à gauche. Bonjour. Salve. Je mets tout ça dans le coin? Sull'angolino? Oui, vas-y. Va bene. Ok, j'arrive dans 10 minutes. Je veux faire attention de ne pas trop impacter l'environnement. J'ai eu l'envie de faire mes livraisons à la rame, car j'ai rencontré quelqu'un qui était allé de Londres à Istanbul à la rame. Et il avait prouvé que nos voies navigables étaient utilisables pour des activités économiques. Ça m'a convaincu. Tu peux me dire s'il y a quelque chose devant ? Sur le canal de la Giudecca. D'un seul coup, tu peux te retrouver face à un énorme bateau. En cette période, il y a beaucoup moins de gens, de bateaux, de taxis, de bateaux de croisière. Honnêtement, pour moi, c'est plus simple. La rame veut reconquérir Venise. Et les Vénitiens, leur ville. Reste à trouver un équilibre entre les quelques 50 000 habitants et les millions de touristes annuels. T'en as des choses à raconter, toi? Oh là là, c'est appétissant tout ça.
Ça a l'air très bon, hein? Ben oui, j'espère bien. Aujourd'hui, on a du bacon, du salami, du bœuf cuit au four, et puis du thon mariné. Oh là là. Ça change tous les jours selon le marché. Rien n'est congelé. Tout est frais. Je veux bien goûter ça, hein. Et ce petit toast, là, c'est vraiment typique d'ici, de Venise? Le chiquetto, c'est une coutume alimentaire. D'accord, les petits tapas vénitiens, quoi, d'une certaine façon. Hein? Non, non, les chiquetti. On ne mélange pas les tapas et les chiquetti, hein. Attention. Hein. Et vous appréciez apparemment, c'est bon? Alors? C'est bon ou pas? Exceptionnel. Ah, bon. J'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est du go. Qu'est-ce que c'est? Un poisson local, très très local, qui se pêche dans la lagune. C'est un poisson gras, très délicat. Très délicat et très savoureux. Je vois que vous avez des habitués là, non? Oui, en ce moment, c'est tous des habitués. Ça va, les touristes te manquent pas trop? Non. Ah, bah ça, c'est honnête. Venise était devenue trop touristique. Et du coup, la population s'est enfuie. Et les Vénitiens se sont retrouvés minoritaires. C'est donc à double tranchant. Le tourisme est positif pour l'économie de la ville, mais les touristes ne font que passer. Et on ne peut pas leur demander de s'investir dans la vie de la ville. Mais tout va bien. Car le bon côté du tourisme, c'est quand on discute. Les touristes découvrent notre culture. On a toujours été une ville commerçante où l'échange des cultures, la parole, le partage, c'est dans notre sang depuis toujours. Alors Sophie, je vais te montrer comment préparer les chiquetti à la maison avec le style vénitien. Tu commences avec des produits qui te font envie, cuits ou crus. Tu fais une base à ton idée. La tua idea, la tua volontà. C'est ça, on peut improviser quand même dans les chiquetti. Improvisato, bravissimo. Alors, c'est parti. Allez. Notre poisson local, mais tu peux mettre de l'anchois frais à la place. Je vais utiliser les tomates. Je rajoute des poivrons verts qui viennent du centre de l'Italie. Et pour finir, un peu de gingembre. Un peu de zenzero. Je n'utilise ni sel ni huile, car ça ne va pas avec le goût du gingembre. À la fin, à chaque fois, nous espérons que les gens apprécient ce que l'on fait. À mon avis, les gens aiment sans aucun doute. C'est vraiment pour manger sur le pouce, en fait. Hein. Ça fait écho aussi au fait que Venise a toujours été une ville d'échange, de passage. Les gens, qu'ils soient commerçants ou simples visiteurs, venaient boire un verre, il fallait qu'ils mangent quelque chose. Et c'est, ils ont trouvé les chiquetti. Ok. La cosa bella di... Pour finir, j'aime bien jouer avec les couleurs. Mm-hmm. Pour cela, j'utilise des fragments d'écorce d'orange séchée. Un po' di arancio essiccato. Quindi... Ça donne une touche orientale. C'est fini? Maestro dei chiquetti. Buon appetito, Sophie. Merci. Des bourgeons et des naissances. La nature réinvestit Venise et sa lagune. La ville est constituée d'un chapelet d'îles, 121 exactement, toutes délicatement posées sur une lagune de la mer Adriatique. Où est-ce que tu vas pêcher, Noé? À San Giorgio, comme d'hab. Noé a 13 ans. Ce mordu de pêche ne mégote pas avec les dimanches matins hameçon et canne à pêche. Son quartier, c'est la Giudecca. Pendant le confinement, je ne pouvais pas pêcher. C'était vraiment dur pour moi, car c'est ma plus grande passion. Et au déconfinement, à 4h30 du matin, j'ai fait la meilleure pêche de ma vie. Pas seulement parce qu'on a pris beaucoup de poissons, mais parce que j'ai retrouvé cet environnement. Hé, les gars! Salut! Ça fait longtemps que vous êtes là? Pendant le confinement, il y a eu comme une régénération de la faune. Ça m'a rempli le cœur de joie. Selon moi, pour conserver cette nature retrouvée,
On doit faire des quotas de pêche et limiter les déplacements en bateau. Et vous l'avez vu? C'est un bar, il a sauté. Oui, je l'ai vu là-bas. Incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis stupéfait. Une algue. Le bar ne se laissera pas prendre. Mais la science, elle, ne fera pas mentir Noé. Au large de la lagune, dans la nébia, dans le brouillard automnal si cher aux Vénitiens, une équipe scientifique sonde la transparence, la salinité et la température de l'eau. Encore 2 mètres. Stop. Ça a été une occasion unique d'observer la lagune, quasiment dans les conditions du 19e siècle, sans le trafic maritime et sans la pollution humaine des vagues de touristes. Attends un peu avant de fermer. Dans toutes les autres villes du monde, on a observé une réduction de la pollution atmosphérique et de la qualité de l'air. À Venise, on a aussi eu une amélioration de la qualité de l'eau. Ça nous montre à quel point la nature et l'homme interagissent. Ça serait bien d'éveiller cette conscience-là chez nous tous, pour un tourisme plus durable. Bleu, vert, la nature peint sa toile vénitienne, plus resplendissante que jamais. Cette nature retrouvée a séduit Mara. Cette vénitienne est née dans le cœur de la ville. Et aujourd'hui, elle s'est installée apicultrice dans la lagune, sur l'île de San Erasmo. Quand je viens m'occuper de mes abeilles, j'aime observer la transformation des saisons, l'automne avec les feuilles jaunes qu'on a aujourd'hui. Les abeilles sont moins actives. Le seul fait d'entendre leur léger bourdonnement, ça m'apaise. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre rucher. Avant toute chose, on va tous s'équiper. Aujourd'hui, Mara accueille des touristes de la région de Venise. Depuis le confinement, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir renouer avec la nature. Et c'est bon, on est prêts. Ça, c'est un cadre plein de miel qui va leur permettre de survivre pendant l'hiver. Tenez, goûtez. Trop bon. Quand on ne s'approche pas de la nature, on oublie à quel point elle est précieuse. À quel point ces petites abeilles nous aident dans notre vie en pollinisant les fleurs, en faisant du miel. Elles nous enseignent comment vivre au service des autres, en vivant en communauté, sans s'entretuer, contrairement à nous les humains qui sommes très égoïstes. J'espère qu'avec cette crise sanitaire, on n'oubliera pas que nous ne sommes pas invincibles et que nous ne sommes pas les patrons de la Terre. Nous ne sommes rien. Quand on ne sera plus là, la nature continuera de survivre. Merci. Oh là là, tu m'as donné rendez-vous ici devant le fameux pont des soupirs.
C'est souvent représenté comme le symbole du romantisme, mais son histoire raconte autre chose. Tout à fait. Ce pont a été baptisé le pont des soupirs, car au temps de la République, c'est sur ce canal qu'arrivaient les prisonniers, et c'est donc ici qu'ils pouvaient soupirer une dernière fois avant leur entrée au cachot pour le reste de leur vie. C'est une histoire très intéressante, mais ici, en fait, ce n'est pas qu'un lieu romantique. Et sur les près de quoi, les 450 ponts que compte Venise, c'est probablement l'un des plus photographiés. D'ailleurs, un petit selfie avec toi. Il faut qu'on voit nos sourires derrière les masques. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile tout ça. C'est gentil à toi de venir ici, sur l'un des lieux les plus touristiques de la ville, parce que finalement, c'est pas dans tes habitudes trop, hein. Non, absolument pas. C'est un lieu que je prends plaisir à redécouvrir depuis qu'il n'y a plus de touristes. D'habitude, je me contente d'aller au travail, je fabrique des masques, un métier très vénitien. Pour commencer, il y a un lieu que j'aimerais te montrer. Un lieu que j'aime beaucoup, mais où je n'ai pas eu l'occasion d'aller souvent, c'est la bibliothèque Marciana. Je veux absolument te la montrer, car c'est un endroit important de Venise et il cache un trésor. On y va! Je te présente le directeur de la bibliothèque. Ah, très bien, enchanté. Bienvenue. C'est très impressionnant quand on arrive ici. Hein. Ici, c'est une des plus anciennes bibliothèques au monde. C'est à la fois une bibliothèque et un musée, avec de nombreuses œuvres d'art extraordinaires. Alors pour mieux les apprécier, mettez-vous à l'aise et exceptionnellement, retirez vos masques, en maintenant bien les distances de sécurité. Volontiers, avec grand plaisir. Car je vais vous montrer des choses incroyables. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ah là 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 là, t'as vu ça, Héloïse ? C'est magnifique. Qui sont les auteurs des peintures que l'on voit sur ces plafonds ? J'ai l'impression d'admirer des œuvres d'art, c'est le cas. L'intention des Vénitiens, c'était de construire la plus belle bibliothèque au monde. Ici, ont travaillé les plus grands artistes du milieu du XVIe siècle. Ici, nous avons un condensé extraordinaire d'allégories et de métaphores. Ici, il y a une série de tableaux consacrés à la philosophie, peints par le Tintoret. Ici, on arrive à la série très connue réalisée par Paul Véronèse, l'allégorie de la musique. Là, c'est la géométrie. Et finalement, l'honneur. Chère Sophie et Héloïse, je vous propose maintenant de découvrir quelque chose que peu de gens ont vu. C'est vraiment la bibliothèque côté coulisses. Vous allez comprendre pourquoi je tenais tant à vous emmener ici. Ah là là! Vous êtes les premières personnes à voir d'aussi près ces œuvres d'art et à les voir après leur restauration. Et au centre, on peut voir la représentation de la sagesse réalisée par le Titien. Mais tu te rends compte la chance qu'on a, Héloïse, de voir ça? C'est incroyable. Qu'est-ce qui te marque le plus, toi, dans ce que tu vois là? Les couleurs, elles sont incroyables. Elles sont comme vivantes. À cette époque, l'école vénitienne est très connue pour la couleur et l'on voit apparaître un genre nouveau avec le maniérisme, qui constitue un des fondements majeurs de l'art pictural moderne. Ah, Stefano, vraiment, mais mille merci à vous. Moi, en venant dans cette bibliothèque, je me suis dit qu'on allait voir des livres et ce sont des œuvres d'art que nous avons la chance d'admirer grâce à vous. Oui, vraiment, merci beaucoup. Quand je vais raconter ça à mes parents, ils vont être super jaloux. C'est sûr. Les bibliothèques sont souvent les plus beaux lieux au monde. Quand je vais visiter une ville, je demande toujours où est la bibliothèque. Et comme ça, je découvre des trésors exceptionnels. Voilà, on est au magasin de masques.
mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, ça, je vais me régaler. Je suis ravie de voir tout ça, c'est formidable. Oh là là, les masques ici sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a une collection impressionnante. Ici, tu vois, mon père est en train de créer un masque. Ça représente notre planète qui vomit les déchets en plastique. Ouais. Alors ici, on peut faire des créations, vraiment, du coup, très contemporaines, mais du coup, on retrouve des masques anciens, traditionnels, qui racontent cette histoire des masques vénitiens. Oui, bien sûr. On fait les masques classiques, comme ceux des médecins de la peste. Les médecins les utilisaient à partir de 1500. Ils en remplissaient le bec avec des herbes et ils pensaient que ça assainissait l'air qu'ils respiraient. Moi, quand je viens ici à Venise, je pense forcément au carnaval. C'est ça qui a vraiment rendu si populaire ces masques vénitiens? Oui, les masques servaient à se cacher, à cacher son identité, et ils permettaient surtout de faire ce que l'on voulait. Oui, parce que quand on porte le masque du carnaval et son beau costume, il y a un côté un peu transgressif, on peut tout se permettre. Oui, absolument, c'est ça l'idée. C'est à ça que sert le carnaval, pour pouvoir se comporter comme on veut sans être reconnu. Et le plus emblématique des masques pour toi? Alors, le masque le plus vénitien, c'est celui-là, la bauta. Alors, je vais te montrer comment ça se porte. Pour ça, je vais enlever ce masque, qui n'a rien à voir avec le carnaval. Celui-là, on a envie de l'enlever et plus jamais le revoir, hein, ce masque-là. Ça, c'est la capuche. Ça se met comme ça, jusque sous le menton. Et puis, on met le masque, qui est tenu par le chapeau. Dis donc, c'est très impressionnant parce que ça transforme complètement. Et en fait, on peut complètement se dissimuler derrière son masque et son costume, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Homme, femme, ouais. Riche ou pauvre, ça n'a plus d'importance. On portait ce masque jusqu'à 6 mois de l'année à Venise. Donc imagine-toi, les gens sortaient tous les jours habillés comme ça. C'est ça. Et tu peux manger, tu peux boire par en dessous. Tu peux boire. Et certains, pendant toute la durée du carnaval, gardent leur costume, la bauta. Si. Ouais. Et alors après, au fil... Oh, tu peux l'enlever, tu me fais peur. Après, au fil du temps, au fil des siècles, ces masques se sont modernisés. Là, ici, on voit vraiment toute forme de création. Exactement. Oui, exactement. Comme ces masques en tissu et en plume. Tu veux l'essayer? Ah oui. Ah ouais, je veux bien. J'adore. Ah oui, très bien. Je suis prête pour le carnaval. Je crois que c'est ma copine Chypréa qui aimera bien ce masque. Un peu esseulée, Venise se redécouvre. Et la cité n'a pas d'autre choix que de se réorganiser. Les gondoliers, les premiers, ont adapté leur cadence. Le grand pont, là, c'est le pont des soupirs. La tradition veut que les amoureux qui s'embrassent dessous connaîtront l'amour éternel. Andrea est l'un des 600 gondoliers de Venise. Pour affronter l'hiver et le calme touristique, avec ses confrères, ils ont tous décidé de travailler un peu moins chaque mois afin que tous puissent continuer d'exercer un peu leur métier unique au monde. Ici, la moindre activité vient du tourisme. Mais ça ne date pas de ces 100 dernières années. Déjà, au temps de la République, Venise était le centre commercial de la Méditerranée. Donc Venise n'a jamais vécu avec les Vénitiens, mais toujours en travaillant avec le monde entier. Et c'est ce qui nous manque en ce moment. Mais de l'espoir, il y en a toujours. Il est dans notre ville, car Venise est unique au monde. Rome est très belle, Paris aussi, mais la seule ville lacustre, c'est Venise. L'histoire force l'espoir. Venise a survécu à de multiples fléaux, comme les pestes et les famines. Maintes fois, elle a failli périr. Mais la résilience a toujours été l'arme des Vénitiens pour renaître de ses cendres. Tel le phénix, toujours plus majestueux. Comme ce palace du Grand Canal,
qui se dresse fièrement malgré la baisse de fréquentation. Bonjour Lumi. Alors aujourd'hui, il y a les fenêtres à faire et la poussière sur les marbres. Raphaël est le majordome de ce palace du XIVe siècle depuis l'ouverture de l'hôtel il y a une dizaine d'années. Dans cette période, on a fait tout ce qu'on pouvait pour rester ouvert. Nous y tenions. C'est important de rester ouvert, sinon la ville perd un morceau d'histoire. Ce palais, avant de devenir un hôtel, était totalement abandonné. Quand moi je l'ai vu avant la restauration, tout était noirci. Cette toile était invisible. Pour traverser la période historique que connaît le monde, les palaces de Venise ont baissé leurs tarifs afin d'accueillir de nouveaux visiteurs. Comptez 200 euros pour une chambre 5 étoiles. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Vous voyez le trou ici en bas sur le mur? Quand le comte donnait des fêtes, il se cachait derrière ce mur et à travers l'ouverture, il choisissait sa préférée de la fête, qui ensuite allait dans sa chambre par un passage secret. On n'habite pas très loin d'ici, mais on vient volontiers à Venise pour vivre cette émotion. C'est une évasion pour prendre une grande bouffée d'oxygène dans cette période un peu oppressante. Nous sommes aussi venus pour Venise. Nous voulions aider la ville à se redresser. Elle est tellement belle, merveilleuse. Venise doit se réinventer avec ses contraintes, et donc à pied, entre les escaliers et les ponts. Depuis le confinement, à la nuit tombée, de nouvelles silhouettes se dessinent. Oui, je suis à Samar. Ok, je prends la commande. J'arrive. Guglielmo est né à Venise. Cet ancien professionnel de rugby vient de lancer la première application de livraison de repas à domicile de Venise. Comme lui, depuis peu, ils sont une vingtaine à quadriller la ville. Salut les gars, tout va bien? J'ai la commande 118. Parfait, merci. On te prépare ça. J'attends dehors. L'idée est née avant tout pour rendre service, bénévolement, aux seniors, qui sont la majorité des habitants de la ville. Venise, c'est une ville que tu vis dans la convivialité. Comme on n'a pas de voiture, les gens sont habitués à circuler dans les rues, se saluer et partager un verre de vin. Le confinement nous a privés de notre quotidien. Le choix, c'était soit de rester à la maison et devenir accro à la console de jeu, ou se mettre en action pour ta ville. Voilà pour toi. Merci, bonne soirée. Ciao. Je vais vers la Miséricorde ou je fais demi-tour? Ok, alors je vais vers la rue Neuve. Mais tu restes en ligne avec moi, hein? C'est un bon challenge de livrer à Venise. Chaque quartier a sa propre numérotation, et pas forcément dans un ordre très logique. D'un pont à l'autre, tu peux passer du numéro 20 au numéro 2000 de la même rue. Mais c'est la beauté de cette ville pour moi. 2396. Ok, il faut que tu me donnes le numéro de l'appartement et que tu appelles le client. Et tu lui dis que je suis dehors. Voilà votre commande, les deux pizzas et le tiramisu. Venise s'est réinventé un nouveau service pour relier les hommes dans le labyrinthe de ses quartiers. Ecco,
Voilà, Sophie. On arrive dans mon quartier, le Dolce Duro. C'est un des quartiers historiques de Venise où il n'y a jamais beaucoup de touristes. Et c'est là où est le magasin de masques et l'atelier. Mm-hmm. On n'était pas très loin d'ici, hein. C'était par là-bas tout à l'heure, hein, l'atelier des masques. On est invité à manger chez mes parents. Mmh. Ainsi, tu vas découvrir la cuisine vénitienne et la façon de vivre des Vénitiens. Mmh. Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelques courses avant d'aller chez tes parents ? Oui, on va acheter quelques légumes chez un primeur, un peu spécial, typiquement vénitien. Regarde ces beaux artichauts. Les artichauts, là, oh là là, c'est... ça a l'air tellement bon. Mm. C'est le local. Ils sont locaux. Il y a plein de belles choses, hein. Ah, si. Là, c'est des cœurs d'artichauts, là. Ah, t'as vu les cèpes, là, qu'il a ? Regarde. Aujourd'hui, c'est les cèpes au menu. Ah, oggi. Aujourd'hui, oui, ça va être une poêlée de cèpes avec une viande grillée. Ouais. Un délice, hein. Simple, mais délicieux. Hein. Ah, ils sont superbes, les cèpes. Hein. Vous habitez dans le quartier, vous ? Oui, juste là. Ah, oui. Donc, sans eux, vous n'auriez pas forcément des fruits et légumes frais. Le problème à Venise, c'est le transport, donc c'est presque obligatoire d'avoir quelque chose à côté de chez soi. Ce n'est pas comme dans les autres villes où il y a des voitures. Ici, non. On marche à pied et on porte. Et parfois, c'est très lourd. Ça va être la régalade hein, chez vous. Hein. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers, les filles ? D'abord, quelques cœurs d'artichaut. Tu en veux combien ? 4, 5, 30 ? 4, ça suffira. Allez, je t'en mets 5, il y a une promo. Et tout ça m'a l'air d'un équilibre précaire, mais c'est très bien organisé. Hein ? Oui, il faut bien répartir le poids des caisses. Sinon, le bateau penche. Vaut mieux avoir le pied marin et pas trop avoir le mal de mer, hein, parce que ça bouge un peu tout le temps. Hein. Ah oui, je me suis habitué. Ça tangue un peu toujours. Au début, un peu, mais maintenant, ça va. Bonne journée. Ciao. Ah, sont tes parents là-haut ? Oh là là, c'est magnifique où ils vivent. Voilà le panier dont on se sert pour monter les courses. Bon, c'est pas trop lourd ce qu'on a, mais rien que pour s'amuser, on va mettre là-dedans. Hey, salut, salut ma louloute. C'était les bisous des mamans, ça. Bonjour. Ah, oui, on fait attention. En tout cas, Antonella, merci de m'accueillir chez vous. C'est vraiment très gentil. Il n'y a pas de quoi. Moi, je sais juste faire à manger. C'est pas de la grande cuisine. Hein. Je pensais faire des filets de poisson avec les pommes de terre et avec des oignons. Et on va faire une sauce. C'est rapide et savoureux. Parfait. C'est un moment précieux, Antonella, pour vous d'être en cuisine avec votre fille ? Oui, tout à fait, parce que cela fait des années qu'elle n'est plus à la maison avec nous. Elle est là, elle vient nous voir, elle vient manger, mais pas assez malheureusement. Enfin, moi ça me chagrine un peu qu'elle n'habite plus à la maison. Un repas sans pâtes en Italie, c'est un sacrilège. Hein. Non, c'est impossible. C'est prêt ? Oui, il faut que tu goûtes les pâtes. Viens par ici, toi. Si. Ouais, il manque encore 30 secondes. Ok. Vous vivez vraiment dans un endroit magnifique. Superbe, hein, ici. Oui, ici c'est encore calme. C'est un îlot de bonheur.
Ah, que pensez-vous de votre Venise d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Je suis venu vivre à Venise parce que c'est une ville qui est belle, humaine, harmonieuse, où l'on peut vivre d'une certaine façon, avec un certain style. Mais ce qui fait l'esprit de Venise, c'en est allé. La beauté, tu ne la vois plus. Tu ne la perçois plus quand il y a trop de monde. Tu as vu ces images de bateaux de croisière gigantesques passant dans la ville? Ça a circulé dans le monde entier. Eh bien, c'est une violence contre tout ce qui fait l'essence même de Venise, qui est tout simplement la beauté et l'harmonie. Ces navires sont énormes. C'est comme si tu voyais passer un gratte-ciel devant tes fenêtres. Venise, à un moment, a été victime de son succès, on peut dire ça comme ça, de ses beautés. Oui, le problème, c'est que sans le tourisme, la ville est morte. Il faudrait que ce soit un tourisme un peu plus raisonné. Oui, c'est ça. Oui, ce serait ça un peu le concept. Eh ben, j'espère que l'avenir de Venise s'écrira comme ça et qu'il y aura un tourisme un peu plus raisonné et que d'autres voyageurs auront la chance, comme moi, de découvrir la Sérénissime. Merci à toi, merci à vous tous. Ce voyage à Venise se termine merveilleusement bien pour moi. Grazie, grazie. Voilà, c'est déjà la fin de ces si belles échappées belles. C'était un bonheur de vous montrer une Venise secrète, cachée, mystérieuse, parfois méconnue. J'espère que vous aussi, vous aurez bientôt l'opportunité de venir découvrir les trésors de la Sérénissime. Donnons-nous des nouvelles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre nos échappées belles grâce au replay. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous. Faites de beaux voyages. Ciao, à la prossima.